Salut à toi, c'est Jarix, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Doubt, un TPS que j'ai trouvé sur Steam. Il est très plaisant. J'ai fait quelques parties et ça m'a beaucoup plu. C'est un jeu unique. Bah, déjà, par exemple, on peut personnaliser le personnage. On peut lui faire des armes uniques. Des armes uniques, on peut aussi créer nos propres armes avec le nom qu'on veut. Et comme type, il a plusieurs types de jeux. Déjà... Attendez, j'ai une assist. Il y a plusieurs types de jeux, il y a capture du drapeau, il y a domination. Voilà, une assistance. Ouais, j'aimerais bien faire du kill un peu. Five captures remain. Et voilà. Oh, je suis en train de me faire pomper. Ah putain, voilà. Oh putain, je suis bloqué, non. Alors... Bah j'ai une assist encore, et bah, il faut que je fasse un kill là, parce que ça va pas. Tout va mal. Oh la Santa Maria. Des personnes comme ça, là, les OPS, je les appelle les Santa Maria. Sinon, c'est juste un délire avec personne. Non, oh putain, je suis... Monte, monte. Yeah, yes, le kill est pour moi. La partie, elle est terminée, là. Donc, on va se retrouver vite au menu principal. Ouais, Alors, maintenant, là, on est au menu principal. Vous pouvez voir, il y a plusieurs types de menus. Déjà, on va commencer par la boutique. La boutique, c'est ce que c'est une boutique. Là-bas, on peut... là, dans la boutique, on peut sélectionner... On peut acheter plusieurs choses avec du vrai argent. Moi, perso, ça va pas m'intéresser pas à grand-chose parce que moi, je joue pour m'amuser. Je vais pas jouer pour dépenser des sous sur des jeux gratuits. À part si c'est un jeu que j'adore, tout ça. Là, sur l'arbre tech, alors déjà, comme vous pouvez voir en bas à droite de mon écran, le nombre de... comment ça s'appelle? De... Ah, bah tiens, il n'y a pas le nom, c'est des blutes, un truc comme ça. Donc, ça sert à améliorer nos compétences, tout simplement. Au fur et à mesure qu'on monte, et qu'on gagne de l'argent, on peut les dépenser dedans. Donc là, je vais le débloquer. 800, ok, pas de problème. Contact du serveur. D'accord, voilà, transaction effectuée. Ouais, c'est juste pour donner une petite idée. Après, dans nos statistiques, les statistiques, c'est tous nos scores qui est enregistré dessus. Voilà, résumé, etc. 21 assists, score par minute 233. Voilà, blablabla, les statistiques... du perso, bah moi j'ai fait 25 éliminations pour 12 morts. Oui, ça va, j'ai un ratio de 2, donc j'essaie d'améliorer. Et donc après vous avez des avatars très 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 sympathiques et aussi beaucoup qui sont payants, malheureusement. Donc après il y a équipementier. On peut voir, c'est des noms assez original, franchement ça plaît beaucoup. Donc on peut choisir Axel. Après on peut sélectionner T-Bone ou Elga, la Santa Maria. Donc après on peut faire des nouvelles tenues. Le nom pour nouvelles tenues, j'ai marqué style. Oh non, il y a le majuscule, alors style. Style
J. Après, dans le sélectionner une tenue, pour recréer une tenue, on a plusieurs choses, on a beaucoup de choses. Là, il n'y a que des choses où on doit acheter des pièces d'or. C'est vraiment gâché. C'est vraiment dommage parce qu'on pourrait on pourrait avoir quelques trucs gratuits pour personnaliser le persona, parce que après, à force de jouer après, le persona Axel va être toujours pareil. Après il y a aussi T-Bone pour moi, qui est un Barracuda. Ensuite on a Loadout, le nom du jeu. Oui, ouais, ciao. Donc on peut créer et améliorer nos armes. Bon voilà, j'ai marqué la kill à tort. Moi j'ai juste trouvé vite fait, bah, juste pour ça. Donc emplacement 1. Ouais, prenez une arme, ouais, on va pouvoir les sélectionner au fil des gameplay. On va, après, en montant des niveaux, on gagne ça. Des emplacements, les emplacements, c'est les armes qu'on crée à force de jouer, qu'on peut améliorer ici dans l'armurerie. Donc je vais choisir mon arme, là, la kill à tort. Voilà, et voilà, j'ai double cliqué dessus, on arrive à un menu pour pouvoir l'améliorer. Donc là, ben, si vous jouez sans manette, vous pouvez faire pivoter l'arme, c'est vraiment pas mal. Donc qu'est-ce que j'ai assez pour acheter? Lunettes de reconnaissance, non. Canon, assaut léger. Ah, ça me fait perdre des dommages, bah donc non. Alors, refroidissement standard, dissipateur. Non, il y a beaucoup de choses qui font perdre des dégâts, donc il faut faire très très attention. Donc ici, provoque des dommages électriques. Ah ouais, ça peut... Non, je crois que je vais garder mon arme, tiens. Donc voilà, il y a plusieurs sortes d'amélioration. Et après, il y a le mode combat. Les modes combat, c'est les matchmaking en ligne ou par bot. Donc voilà, je vais faire un petit en ligne contre des vrais joueurs. Je sais que je vais me faire rétamer, mais bon, c'est le jeu. Donc on se retrouve au début du gameplay de juste là qui va commencer. À de suite. On se retrouve là dans un salon avec plein de gars, avec Danny, Bogati, Zekraken, j'appelle ça Zekraken, effet X2, bah il y en a qui sont déconnectés. J'ai marqué hello guys. Et ouais, bah le décontent en cours, là, attendre encore 10 secondes. Moi, j'aimerais bien faire un petit blitz. Non. Voilà, un petit festival macabre. Donc, Caverne des Moreux, c'est un festival macabre. Non, on est... Ils sont 4, nous, on est 2. Donc, c'est pas grave, hein, je m'en fous. Les gars, ne critiquez pas mon score, car je m'en fous, c'est qu'un jeu, je fais ça rien que pour m'amuser. Allez, on est chaud. Aïe, dommage. Alors moi, voilà, je fais du 2-1, waouh. It's very good. Comme on dit chez moi, very good, on parle très bien l'anglais. Oh putain, je galère. Cours Maurice, cours mon Patrick, cours, je vais recharger mon pote. Ce qui est assez marrant dans ce jeu, regardez ma jambe 2 secondes.
J'ai perdu mes os, j'ai perdu toute ma peau, il me reste plus que l'os pour voir bouger. C'est trop marrant. Franchement, ce jeu, il est pas fait pour nous déplaire, au contraire. Il est très original. Comme jeu, il est très original, franchement, il faut le dire. Je me lance mes grenades là. Merci, ça m'a soigné. Assistance, oh, je suis que des assistances. Encore une assistance? Mais attends, c'est quoi ces conneries là? Lui, je vais me le farcir à la sauce bolognaise. Et je vous l'ai dit, je l'ai farci à la sauce bolognaise. Oh putain, mon mec il saigne! Oi, oi, oi. J'espère que c'est du soin là, j'espère, j'espère. Oh, je suis mort! Oh, quel dommage. Je fais du 3-2, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, voilà! Où c'est qu'un petit bonhomme? Et yeah! This one, my baby! C'est mon... Oh, oh! Regardez, c'est... Sans déconner! Ouais, au fur et à mesure qu'on récupère la vie, bah c'est vrai, notre corps est parfait. Ah, viens là, toi! Je te quitte, non! Yes, franchement, ça va, on gère quand même. Bon, ils sont pas très forts, hein, mais tant mieux, ça offre un meilleur gameplay, franchement. Putain, merde, j'ai fait n'importe quoi là. Je me suis trompé de touche. Vite, y a petit quelqu'un, y a pas petit quelqu'un. Oh, ce petit quelqu'un, il est là. Franchement, je préfère mieux jouer au fusil d'assaut. Hein. Ouais, ça fait 5. 5 kill streak. Oi, oi, oi. C'est ben on peut dire je me la régale. C'est l'homme au bandeau le plus fort. Petite herbe de Rocky. Oh putain, je suis mort. Pas Rocky, WSGK, Ars 2, d'accord. Je fais du 9-3, oh pas mal. Vite. Je sais pas quel tout j'ai fait pour faire ça. Oh, on dirait qu'ils sont un peu réveillés, qu'ils ont décidé de mettre des kills. Bon, j'ai repassé au fusil d'assaut parce que là ça va mal là. Assistance encore, je fais que des assistances, j'adore. Yep, papi, yep, la main. Putain,
Putain, j'avais pas rechargé, il me l'a carotté. Oh, c'est quoi ce jeu là? Allez, petite grenade. Oh putain, je me suis pris ma grenade. Donc on va rester là, posé. Pouf, allez, hop! Je le prends si ça te dérange pas. Je tiens à vous dire quand même que sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas trop de moves. Donc je vais essayer de passer sur des chaînes communautaires. Oh, ah bon? Je me l'ai pas tué? Oh non! Quel dommage! Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bah, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager. Donc téléchargez-le sur Steam parce que c'est un putain de jeu, il pète sa mère. Donc ciao tout le monde, peace! LOL, non, en fait, passez une bonne soirée. Si vous voyez cette vidéo le soir ou le jour même, passez une bonne journée. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo.